Bonjour à tous et bienvenue sur la compagnie. Aujourd'hui, la compagnie va mettre en prison 4 criminels, jugés pour des faits atroces. Ils vont tout faire pour s'échapper de la prison, mais un surveillant mal intentionné est là pour les garder. Il va tout bonnement leur faire vivre un enfer. Chef, j'aime pas mes conditions de travail. Que la vidéo commence, top départ. Bonjour à tous, bienvenue sur la compagnie. Aujourd'hui, 4 cellules de prison, 4 prisonniers, un gardien de police. Les gars, je vais vous donner ces couteaux à bourron de cantine. Vous devez sortir de... Vous allez devoir sortir de votre cellule avec les couteaux à bourron. Celui qui sort le premier gagne la tirelire que j'ai oubliée chez moi, mais vous l'imaginez bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la compagnie. Aujourd'hui, 4 prisonniers, 4 cellules, un gardien de police. Le premier qui sort de sa cellule avec des couteaux de cuisine à bourron gagne la tirelire. C'est parti les gars, couteau. Top départ. Vas-y, t'es mort. Vas-y, prends-le. Fais ta cam. Doucement les chiens. C'est quoi ça? Aïe! Il m'a pour de vrai! Arrêtez les gars, s'il vous plaît! J'espère que t'as passé un bon moment. Allez hop! Il reste quelqu'un ? Que cette vidéo commence, les 4 prisonniers vont rentrer dans leur cellule. Top départ. 3, 2, 1, le challenge commence. Et nous aussi, on va aller se la couler douce. On a construit les murs il y a quelques jours, on vous met quelques images. 2 journées de préparation pour faire une vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et ils vont devoir casser les murs avec des couteaux à bourron de cuisine. Ils auront un couteau chacun. Objectif, il va falloir gratter les murs et on va faire des tests un peu. Toi, tu aurais cassé où, tiens? J'aurais fait le tour comme ça. C'est le plus fragile. Et t'aurais fait les joints. J'aurais fait tous les joints jusqu'à ce que tu sortes un bloc comme ça. Ah putain. D'ailleurs, Tanguy a testé la solidité du mur avec sa voiture. On vous met aussi l'image. Je vous éclaire, les gars. Je vous éclaire. Oh putain, j'ai tapé. Oh merde, j'ai tapé. Nous avons 4 prisonniers condamnés à perpétuité. Les gars, votre seule chance de sortir. Il y en a un de vous qui va pouvoir avoir la vie sauve. C'est celui qui sortira le premier. Que le challenge commence, top départ. Et nous, on vous attend à la sortie avec Alex. Je vais gagner. Je vais sortir le premier. C'est moi qui vais sortir le premier. On a accès à plusieurs techniques, Maxime qui tape, Binge qui tape, Tanguy qui est en train de gratter le mur, et on va aller voir Alan qui est en train de faire des invocations, j'ai l'impression. Ce qu'on va faire, on va aller casser un bout de mur pour aller voir les candidats. Je me transforme en Bobby Bricoleur. Attends Vic. Ouais. Est-ce que y a moyen... Tu veux quoi? Ça va? Ouais, ça va. Okay. Y a pas moyen, est-ce qu'on a pas le droit de... Il faudrait faire du ciment en plus pour boucher ce trou parce qu'il commence attends, à... Attends, on a pas le droit d'enlever les briques d'en haut, hein. Interdit les briques d'en haut. Interdit, on ouais. va aller faire un peu plus attends, de ciment. C'est parce... quoi ça là-bas? Quoi? Là-bas. Alors, fais-moi le malin là, c'est qui le flic? Vas-y. Oh les gars, attendez là, qu'est-ce que tu flics? Ouais. Bon, pour ça... Moi, ouais, je vais voler. Allez, dis bonjour à Alan. Oh. Oh putain! Oh ça résonne! Arrête, tu te déconcentres! Arrête! Attention parce que là c'est dangereux! Arrête! Arrête! Tu m'as compris là! Eh non, t'inquiète! Là je vous explique ce qui se passe, c'est que le couteau il glisse terriblement. Donc je vous montre une petite astuce. Je vais enlever ma chaussette. Voilà, je vais me la jouer sans chaussettes et comme ça je vais pouvoir avoir un meilleur grip.
putain, ça glisse pareil. Hey, policier, c'est ta casquette. je commençais à prendre un coup de chaud moi aussi, et merci les gars. Tu veux plus. Ah ouais, t'as vraiment une double épaisseur de moelleux, quoi. En fait, c'est quoi ça? Bon, Alex, je te laisse faire ça. Une fois qu'on aura fait tous les trous, on va aller chercher des petits défis pour chacun des gars. Je suis le plus vert. L'oiseau. L'oiseau qui tape. On va leur faire un punning. On a deux choix pour les surprendre. Une mitraillette ou des bisons 4. Tu veux quoi? Oh, un petit bison 4, ça fait bien. Oh, quoi que non, faut mieux taper. Ça tape petit, mais ça tape bien. Pour choisir celui à qui on va lancer la mitraillette, je vais sur ma galerie photo. Le premier des mecs que j'ai en photo, on lui lance à lui. Là, j'ai une vidéo de quand on a construit le mur. Il y a moi, je vois Binge. C'est Binge en premier? Ouais, c'est Binge. Non, c'est Alan. Oh, ouais, super. Allez, va pour Alan. Désolé, Alan, c'est le hasard. Ah, j'arrive pas à voir. Oh, je vais essayer de voir avec la roue. Oh putain! C'est quoi ça? Oh putain, ça m'a fait peur. Ça va mon pote? Ah, aïe. J'ai juste un acouphène là. Il a un acouphène. C'est pas grave, ça va passer. C'est quoi? C'était un petit happening pour vous mettre en jambes. Pour nous rajouter de la difficulté, ils vont nous bombarder ces petits fumiers. Mais bon, moi ça nous donne envie de plus sortir. Parce que je les connais. Ah, c'était les petits pétards en premier, mais les prochains ils vont être costauds. Alan nous demande sa ventoline, parce que je pense avec le pétard ça l'a un petit peu asphyxié. Tiens, okay, hein. Je te la pose là. Ça va faire un truc de fumée. Ah non, s'il te plaît. Tiens. Allez à gauche. Allez les gars. Allez à gauche, Alan, prends-la. S'il vous plaît. Allez, va. Tu l'as bien mérité. Oui. Ça va en vrai? Ah d'ailleurs, Mick, désolé, j'ai fendu la GoPro. Pas beaucoup, hein, mais... Regarde. Oh putain. Alan a pissé dans la bouteille. Alan, t'as fait quoi? T'as fait du jus d'orange? Oh. C'est tombé chez Max. Ah merde. Eh, je l'ai pas ouvert, Mick. Max, et au cas où, je préfère te prévenir, j'ai autre chose. Si Alan veut jeter du pipi, il va être reçu. Oh non, ça pue la merde. Qu'est-ce qu'il y a, oh Max? Non, ça pue. Ah, Binge. Oh non, Binge. Binge, non. Binge, ma main. Quoi? Chef, j'aime pas mes conditions de travail, ça Manu sent. Je vais vomir. Alan? Ok. Quoi? T'as ta GoPro d'allumer? Oui. Ok. Attention, il pleut du caca. Oui. T'as tiré à côté, manche. Il repleut du caca. Non. Oh putain. Oh putain. Une petite biquette pour Maxi. Non. Non. Oh putain. Une petite biquette pour Tanguy. Non. Et bien sûr pour Alan, le mastodonte. Attention Alan. Oui. Elle est tombée à côté. Si vous vous demandez comment les prisonniers allaient faire leurs besoins, bah voilà, vous avez en vidéo. Vraiment désolé pour ce qui vient de se passer, mais j'étais obligé. C'est vraiment dégueulasse. Ok les gars, je fais un tour dans les rangs après votre pause excrément. Maxime, tu en es à ce niveau-là. Benji, toi t'en es là. Waouh, Binge énorme. Non, je déconne les gars, Binge en vrai c'est le moins avancé de tout le monde. C'est vrai? Je sais pas, je peux pas dire. Là vous avez Tanguy qui en est ici. Bien. Ça se passe Tanguy? Bien. Et Alan qui en est ici. Les gars, ça continue. Bon, on a été appelé par Alan. Lève les mains, là, t'as des là, ampoules. Et là. Ok. Hop. Il s'est fait cramer direct. Moment défi. Dans cette boîte, 4 papiers. Ils vont piocher un papier et ils vont avoir droit à un objet. Je vous laisse découvrir ça avec nous. Alan, tu peux piocher si tu veux. Il peut le dire doucement. Ah bah très bien.
Très bien. Ok Alan, tu peux lire le papier et tu viens de piocher ça. Tu as gagné ça. Ah ouais, tranquille. Voilà. Ah, amuse-toi bien mon grand. Pas pensé, hein. Turbo Tanguy, bonjour. C'est le gardien de prison. Bonjour. Bon, vous avez été sage. Vous pouvez piocher. Non, un seul. Un seul papier. Sois pas gourmand. Vous devez l'ouvrir à l'extérieur si possible. C'est trop drôle. C'est quoi? Regarde. Oh, un escabeau. C'est-à-dire que, Tang, tu peux regarder où en sont les autres avec l'escabeau. Il reste des gants et une chaise de camping. Toc, toc, toc. Oh. C'est le moment de la soupe. Oh, c'est, ouais. C'est l'instant confort. Tu peux piocher un des deux papiers, mon binge. Ah, trop bien. T'es sûr? C'était trop mal en plus. Eh ben, tu sais quoi? Pour la peine, c'est moi qui vais choisir. Mais il est blanc, t'es con quoi. Il faut le tourner. Mais ça c'est les prisonniers, ils savent pas lire ni écrire. Ouais, non, c'est sûr. Ils ont plus aucun repère à l'intérieur. Ok, ben je t'ai droit à une petite chaise de camping pour te reposer. Voilà. En plus, ben, ça peut être cool. Il travaillait, s'il on te la passe partout. Maxime. Oui. C'est l'heure de la soupe. Tu dois piocher le papier, il t'en reste plus qu'un. Tu n'as pas de surprise. Ouais, donc en gros j'ai pas le choix quoi. Non, t'as pas le choix. Est-ce que ça peut être utile, des gants? Tiens, reprends ton. Tu les veux pas? Ça peut être très utile, hein. Ok, bah pose-les là et je verrai, mais regarde, moi en gros, bien. Vu que je suis un peu le mec intelligent de la compagnie. Ah ouais, t'es un malin, Max. Putain, ils sont abîmés vos couteaux, hein. Oh là là. Ah oui. Et bah plus de chaussettes, voilà. Tiens, bon, te laisse ce couteau. Redonne ma chaussette. Ah non. Si, si, si. Bon, bah d'accord. Oh oh, j'ai envie de faire popo. Cela fait déjà maintenant plusieurs heures que nos prisonniers travaillent pour leur liberté. Plusieurs techniques sont utilisées. Certains mettent des coups de pied, certains grattent avec le couteau, certains tapent, alors que d'autres... J'adore manger. Regarde l'efficacité. Tu vois là? Ouais. Oh. Ah oui, d'accord. Oh putain, tu viens de trouver ça maintenant? C'est la technique du samouraï. On n'utilise que le couteau. D'accord? Allez, que le couteau. Ok. Bravo. Merci Alan. Non. Hey. On te le rendra dans 5 minutes. Non. C'est bon Alan, t'as non, vite, là, tu triches. Bien. C'est dingue, c'est vraiment dingue. On a un seau entier de Orbeez. On va demander quel GoPro est allumé. Le premier qui nous répond, la mienne, on le verse par-dessus, il s'y attend pas. Les gars, petite question, qui a sa GoPro allumée? Moi. Oh le fumier. Ah, t'es perdu. Oh le fumier. C'est pas grave, ça va faire chaud. Je vais essayer de mettre le coup de pied là. Là, Alan a autorisation de faire le happening avec nous parce qu'il a réussi déjà à casser un bloc. Ce qui va se passer, on a un bison 4. Je vais aller voir dans mes appels. Le dernier des gars qui m'a appelé va recevoir le bison. Je peux le dire, moi. C'est possible que ce soit toi. Ou c'est possible que ce soit moi. C'est toi. Ok. C'est Maxime. Maxime va se prendre le pétard. Préparez-vous, un pétard va arriver. Je ne sais pas sur qui encore, ça peut changer. Hop là. Oh la fumée. J'ai fait une bite, mais c'était pas fait exprès. Promis, j'ai pas fait exprès de faire un zizi. Tiens, un peu de force, Alan. On est au milieu de l'agglo, là. Là, j'ai une rage de vaincre. J'ai une rage de gagner. Je vais gagner avant toi, Alan. Ah, Alan! Tu vas pas gagner, Alan!
Ce qu'ils savent pas, on va leur faire une surprise. Ils vont avoir un autre happening. Ils vont avoir droit à ces marteaux en plastique. Tout le monde a les GoPro allumés ? Tout le monde a les GoPro allumés. Tout le monde a les GoPro allumés. C'est parti. Le happening commence. Le happening a commencé. Ça marche pas. Ah merde. Pourtant c'est un marteau hein, les gars. Ouais mais il est en mousse. Oh là ça. Ils sont juste pas intelligents les autres. Ouais. Non, t'as raison, Marc, c'est de la merde. Non mais regarde comme ça rebondit. Fais gaffe à pas te le prendre dans le cornet. Alors là je peux m'amuser longtemps. Ah tu payes ça, non? Ah c'est bon, j'ai perdu. J'en étais sûr. Oh non. Benj, je viens de nouveau de se couler une pisse dans ma cellule, ça fait plaisir. Merci Benj, ça sent l'urine, ça sent le caca. Bah comme en tôle quoi. J'ai marre. Oh putain. Oh viens voir. Ça va sourire là. Ah ouais. Bah mets des coupilles. Oh, attention. Alors la sensation? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Alan, tu es libre. Tu as gagné la tirelire. Un peu plus là-bas, Max. Non, là-bas, t'es sorti? Un peu plus à droite. Toi, attends, c'est bien. Bravo! Yes! Bravo les gars, bravo! Il a rien dit ce petit fils! Il a fait la blague! Allez, bah. Au revoir mon trou, bravo! En tout cas, je me suis bien amusé! C'est tellement horrible d'avoir creusé, d'avoir eu espoir en son projet, et puis il y a lui qui sort! Et voilà, on peut arrêter, on a fait ça du coup pour rien, les trois autres, c'est comme ça! Ça fait non, mais là pour qu'il soit vraiment devant nous! C'est que la technique est vraiment différente. Mais pour vous montrer qu'on a fait ça sérieusement, regardez les joints qui sont remplis, c'est vraiment un vrai mur quoi. Bon, c'est pas des maçons pros, mais c'est quand même. Enfin, on a fait ça correctement quoi. En tout cas, c'est super démoralisant de. Ça doit être horrible d'avoir fait ça pour rien. Ouais, parce qu'on a fait ça pendant combien de temps? 6 heures moi? Non, 3 heures. Ah, c'est pas un vrai 10h30. Je sais pas, moi j'étais bien sur ma chaise. Et tu t'es très bien débrouillé. Comme dans l'autre vidéo hein, qui s'affiche ici à l'écran, Alan avait trouvé une bonne technique hein, pour gratter et sortir de la tombe. Ouais, il avait fait un carré. Ouais, alors que nous on grattait comme des petites. Ce qui a gagné quand même. Ouais, bon bah après c'est. T'as réussi à t'échapper, tu peux t'en sortir pour la vie, tandis que tes trois camarades seront à perpétuité en prison. Oh, oh putain, bah celle-là, on va aller devant le cas. Oh, mais c'est abusé. Oh putain. Oh, oh non. Oh, c'était trop stylé, il y a les billets qui volaient. Vous la connaissez, tout le monde prend sa part du gâteau et s'en va pour continuer à vivre décemment. Non, moi, on vous rassure, ce sont de faux billets à chaque fois, on peut pas se permettre de mettre des trucs. On vous fait des énormes bisous, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Merci de nous avoir suivis sur les dernières semaines, sur notre petit périple en bateau. Et c'était vraiment exceptionnel, on a vraiment kiffé, ça fait plaisir de revenir avec des vidéos à la maison. Espérons que ça vous plaise, il y a du lourd qui arrive. Voilà, on vous en dit pas trop. Cassez tout ! Allez, on casse la tôle ! On casse la tôle ! On casse la tôle ! Oh, content ! Rendez-vous ! À la prochaine. Une dernière chose. Si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie, grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, belle. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca.